Alain, bonjour. Vous avez reçu une lettre ce matin. C'était de jeunes. Enfin, c'était très touchant parce que ils aimaient beaucoup Thérèse. Thérèse est morte il y a très longtemps maintenant. Quel effet cela vous fait-il de vous dire que de si jeunes enfants peuvent être touchés par ce que vous faites? Parce que c'était des enfants de 4 à 6 ans, je crois. Oui, c'est justement ce qui m'a beaucoup plu, de voir que les jeunes. Vous voyez, justement, puis le chat a beaucoup plu. Oui, c'est vraiment ce qu'on... Le chat qui était, pour Madame Révald, un symbole érotique. Ah oui. Tout le tableau était plein de symboles érotiques. Ce qui prouve que parfois, il vaut mieux avoir un regard neuf sur les choses, non? Un regard de nouveau et mais frais. Le regard des grandes personnes ne m'intéresse pas tellement. Oui. Parce qu'au fond, les enfants, c'est le futur. Oui. J'ai l'impression que les adultes, les experts en peinture, surtout, tendance à chercher des symboles, à essayer de trouver des sens cachés. Justement. Au lieu de... C'est ça le drame. En confondant tout, en mettant tout sur le dos de ce pauvre Nabokov qui avait fait Lolita. Ah oui. Qui n'a rien à voir avec... Mais je crois qu'ils avons la même impression devant les petites filles, non? Oui, c'est ça, c'est exact. Mais malheureusement, ils sont tous influencés par la psychanalyse maintenant. La psychanalyse a fait beaucoup de mal, je crois. Ah oui, mais vous savez... Jusque dans les romans policiers, on trouve de la psychanalyse et généralement le criminel a une enfance très malheureuse. Ce qui n'est pas votre cas. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai une enfance très très heureuse. Le malentendu de ma peinture est basé sur cette histoire de petite fille. Parce qu'il y a les pédophiles, comme on dit, n'est-ce pas, qui aiment les enfants. Pour des raisons tout à fait maladives. Tandis que moi, une petite fille comme Anna, par exemple, c'est quelqu'un d'intouchable, qu'on n'a pas envie d'approcher que comme on approche du sacré, un peu. Anna, elle pose pour moi depuis l'âge de 8 ans. Ah oui. Et la première fois, on avait très peur l'un de l'autre. C'était très drôle. Son regard me faisait peur. Et elle était gênée aussi. Je ne sais pas par quoi. Peut-être justement par mon regard.
Balthus's early childhood was spent in Paris. Although his background was mainly Polish and Russian, his first language was German. Both Balthus's parents were painters, and he grew up in a house where artists like Monet, Bonnard and Derain were frequent visitors. As an adolescent, he became close to the poet Rainer Maria Rilke, an intimate friend of his mother's. They all three spent holidays together in Beatenberg, above the Swiss lake of Thun. Balthus never went to art school, but taught himself to paint in the traditional manner, by copying the great masters. Piero della Francesca was a particular favourite. He learned a great deal from copying Poussin's Narcissus, a commission from the poet Rilke. Do you remember your holidays in Beatenberg as a child? Yes, of course I remember that very well, because this was my first contact with the mountains. And that certainly had a great influence on me, because my sensitivity has been formed there by nature, by the awareness of the seasons. Your paintings of the mountains have a very special feeling for them. Is that why you've chosen finally to live here? Well, there's always this kind of yearning for the mountains. Are there other landscapes that you have loved like the mountains? Well, you see, I was very much impressed by the north of England, and the moors had a great importance to me. What was important for me was the child atmosphere, the children atmosphere of the chief characters. I recognize many of my feelings as a little child. It's been like the source of my inspiration. And then you discovered Alice. I didn't discover Alice, because I knew Alice always. Balthus has always followed his own vision rather than the fashions of his time. During the 30s, he lived and worked in Paris. He married Antoinette de Watteville, with whom he had two sons. They separated in the late 1940s. He only achieved more widespread recognition in the 1960s. Until then, Balthus struggled with very little money and was mostly known and admired by a few dealers and collectors, fellow artists like Giacometti and Picasso, and writers like Artaud and Camus.
J'avais rencontré la peinture de Balthus avant de connaître Balthus. Dans un moment où seule la peinture abstraite était celle, la peinture que je regardais. Et je me souviens précisément du trouble. Je me souviens d'être sorti de là complètement retourné par certains tableaux. C'est justement cette profonde et tellement étrange charge érotique dans sa peinture qui m'a absolument bouleversé. Pour moi, les tableaux de Balthus ne sont pas des Balthus. S'il n'y a pas cet étrange sentiment de tension derrière cette apparence tellement calme de sa surface picturale, c'est un peintre qui tient vraiment les choses, qui ne se laisse jamais aller à l'éclat. Et alors donc, c'est beau d'autant plus étrange, cette violence qui est contenue et ce climat de très violente sensualité. Violence dans beaucoup de ses peintures. Elle est là, toujours présente. Il y a toujours, comme dans La Victime, un couteau qui se cache près du corps pantelant. Mais là, le crime n'est jamais achevé, ou n'est jamais commis, en tout cas. Il y a la menace qui est là, présente. On pense à cet univers à la fois de grâce, de charme, de suavité, mais hanté, en même temps habité par l'imminence d'une catastrophe, d'une ruine inévitable, de la spectacularité triomphante des apparences. Balthus has always been drawn to the make-believe world of the stage. Many of his friends have worked in film and theatre. At the Grand Chalet, Balthus and his wife Setsuko receive a stream of visitors who gladly slip into their roles as guests and entertainers of the Count and Countess de Rola. Even me. Anatamo? Angry. Shintaro Katsu is trained in the ancient tradition of Kabuki theatre, which has fascinated Balthus for a number of years. Voilà, maintenant, ça serait comme une très très belle femme. Ça, c'est Yakuza, la belle dame. Et Balthus, c'est la belle dame. C'est toi qui es belle dame. Moi, la belle dame. Il y a ce côté jeu perpétuel chez lui,
cette jouissance profonde de l'enfant, de pouvoir assumer divers rôles. Alors, ce don de l'enfance qu'il a gardé, de jouer à, je crois que c'est dans ce rapport aux autres une attitude qui a nourri perpétuellement son œuvre. Le côté tableau vivant, on décide d'un thème et puis chacun assume tel ou tel personnage du tableau vivant. Je crois que j'ai autant de personnalités que j'ai de nations en moi, c'est-à-dire un mélange, a frightful mess of mixture, aristocratie polonaise, aristocratie russe, et puis tout le côté celtique qui est resté extrêmement fort chez moi. Le côté Golden of Kites, qui était, paraît-il, le clan le plus sanguinaire. C'était des gens tout à fait effrayants. Mais la liberté, c'est très dangereux, au fond. Moi, je suis le contraire dans l'homme moderne. Je suis féodaliste. Le féodalisme était basé sur la fidélité, la foi, l'idéal chrétien. J'ai un souvenir d'enfance où il m'a battu comme ça, un coup de canne, peut-être que j'exagère un peu. En tout cas, c'était un personnage qui se fâchait et qui était physiquement menaçant. Et il y a d'innombrables histoires de inspecteurs des impôts qui ont été jetés dans les escaliers de la place de la cour de Rohan. Et de gens qui de bagarres au café de Flore. Enfin, c'est encore quelqu'un de très collé, qui se met facilement en colère et très d'une manière très théâtrale. Enfin, il pousse des cris, il brandit sa canne. C'est vous, le roi des chats. Oui. C'est un de mes sujets qui est tombé dans l'art. Moi, je ne suis pas un artiste, je suis un artisan. Et la différence, c'est quoi? La différence, c'est que les artistes ont gâché complètement tout. Empoisonné la peinture par des prétentions. On peut peut-être voir le Giacometti à côté. Moi, je l'ai vu dans son atelier, j'ai dit, ah, mais comme c'est beau, ça. Alors, il a dit, tu es la première personne qui trouve ça beau, je t'en fais cadeau. Vous étiez très proches l'un et l'autre. Oui. Il me manque beaucoup. C'est un personnage extraordinairement stimulant, drôle. Et vous avez cherché un peu la même chose. Et nous cherchions un peu la même chose. La réalité telle que moi je la voyais. Et moi j'étais frappé par le côté divin de la réalité. Mais quand vous parlez du côté divin des choses, oui. Vous pouvez éclaircir ça un peu? Non. Comment est-ce qu'on peut éclaircir ça? On ne peut pas. Et on a eu une discussion avec Giacometti et Georges Bataille une fois. Et Georges Bataille avait dit, mais vous détruisez ce que vous voyez. Et nous avons protesté en disant que on reste toujours en dessous de ce qu'on voit. On est toujours en dessous de ce qu'on voit. On ne réalise presque jamais de vraiment saisir les choses.
parlez beaucoup avec vos modèles? Non, c'est curieux, avec Anna, je parle presque jamais. Peut-être je suis trop ébloui par sa beauté. Anna, c'est un être tout à fait exceptionnel, je crois. Là, il y a vraiment quelque chose d'angélique chez elle. Moi, pendant toute ma vie, j'ai été entouré d'anges, au fond. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de hasard dans mon existence. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une direction qui venait d'en haut. Et c'est pourquoi on m'a envoyé des anges. Est-ce que vous sentez l'enfant que vous avez été? Oui, très souvent. Je rêve toujours, et quand je me réveille, je me demande, mais au fond, quel âge est-ce que j'ai? Dans le rêve, je suis généralement quelqu'un de beaucoup plus jeune. Et alors, je suis très effrayé quand j'arrive à dépasser 80 ans. Mais la mort, c'est quelque chose qui vous fait peur? Pas du tout. Pas du tout. J'étais tellement près de la mort que ça ne me fait aucune peur. Je me souviens, quand j'étais en guerre, j'avais un seul souci, c'était de perdre la vue. Et parlez-moi un peu de Chassy. Pourquoi est-ce que vous avez aimé cet endroit particulièrement? J'ai adoré cet endroit. Malheureusement, il est en train de s'écrouler maintenant. Mais on y sent toujours quand même... C'est un endroit magique. C'est un endroit assez merveilleux. Le paysage autour, admirable. J'ai fait énormément de tableaux quand j'étais là-bas. Et je n'allais presque jamais à Paris. J'avais complètement oublié qu'il y avait Paris. Et quand j'allais à Paris, je me sentais complètement perdu. In the early 1950s, Balthus left Paris for the Château de Chassy, 150 or so miles south of Paris. During this period, he was supported by a consortium of dealers and collectors who bought his work. Thank you.
À Chassy, il travaillait beaucoup, beaucoup plus. Il apparaissait pour les repas. Ou... J'ai un souvenir de petit enfant où il nous avait fait... Il avait organisé une chasse au trésor en dessinant de ravissants... Je me souviens très bien de ces dessins qu'il avait fait, des rébus, comme ça, qui étaient des signes de piste. Et ça, c'est un bon souvenir, comme ça, de jouer avec papa. Mais en général, on le voyait assez peu, où il ne fallait pas le déranger, où c'était plus distant. Mais je me demande, en vous entendant parler, si en fait sa relation avec les enfants était plutôt une relation de rêve. Je n'ai jamais oublié, il y a pas si longtemps de ça, où il avait des grands problèmes avec sa fille, qui était une adolescente, comme ça, qui faisait le mur, qui partait la nuit, il mettait une échelle sous sa fenêtre et elle partait au milieu de la nuit faire la fête à Châteaudun. Et alors, il était très, très embêté et il disait, mais alors qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire? Tu comprends, moi je ne connais pas du tout les petites filles, au fond. Balthus's muse during the productive Chassy years was Frédéric Tison. They lived together until Balthus met Setsuko in the early 1960s. After 8 quiet years at Chassy, Balthus's life changed dramatically when, in 1961, the French Minister of Culture appointed him as director of the French Academy in Rome, a prestigious postgraduate arts establishment based in the Villa Medici. Il adorait être le maître de cette maison. C'était la première fois qu'il avait un rôle comme ça. Je crois qu'il aimait bien le côté grand seigneur, comme ça, qu'il pouvait jouer tout à coup. While in Rome, Balthus painted less, but threw himself into the restoration of the building to its original simplicity. While at the Villa Medici, Balthus worked mainly with two young models, Katia and Michelina, the daughters of one of his employees. J'avais 10 ans quand j'ai fait les premiers portraits, les premiers dessins. Est-ce qu'il vous faisait un peu peur? Au début, oui. Au début, j'ai posé habillée, puis après, il m'a demandé de poser nue. Et maintenant, quand vous y repensez, est-ce que ça vous trouble? Non. Je me souviens comme un beau moment. Il y a des moments où il était complètement absorbé par son travail. À la limite, je n'existais plus. J'étais là vraiment comme un modèle. Et moi, ça me plaisait beaucoup de le regarder partir presque. C'était comme s'il disparaissait.
Balthus est pas du tout un peintre au sens où une image comme ça un peu convenue du rapport au modèle. Mais le modèle est absolument un modèle, je dirais pas mental, parce que je pense que s'agissant de Balthus, c'est incorporé de la tête aux pieds, mais c'est un modèle qui est un modèle intérieur. Et quand vous regardez les dessins qu'il a fait de vous, qu'est-ce que vous sentez? Des fois, je les regarde un peu... Je suis pas très sûre d'être moi. Je regarde quelque chose et... C'est un peu compliqué, quoi. Le fait qu'il ait fait des dessins et qu'il ait peint surtout des jeunes filles, ça a beaucoup troublé des gens. Non, c'est vraiment... Moi, ça me trouble pas. J'ai pas cette sensation-là. C'est vrai, il fait des dessins de jeunes filles, mais c'est pour moi un passage d'enfant à jeune fille. Donc c'est plutôt ça, c'est différent. C'est tout le mystère de la vie, je crois. C'est l'éveil du corps, effectivement. Là. Peut-être aucun corps qui soit plus beau que celui d'un adolescent, d'une adolescente de 14-15 ans. Ce qu'on a peut-être oublié aujourd'hui, mais qui était bien connu de toute la grande peinture ancienne. Les modèles étaient toujours des gens très jeunes. Ils sont encore dans la bienheureuse innocence d'un état qui cherche son identité sexuelle. Ils ont ce pouvoir étonnant qu'ont les anges de se mouvoir dans divers espaces simultanément. Et alors Balthus, je crois, réussit à saisir cet instant quasiment dramatique où il y a l'éveil de l'âme sous la poussée presque biologique, florale du corps qui, lui, est déjà arrivé à sa maturité. After 16 years in Rome, Balthus returned to his beloved Switzerland. In the 1980s, his paintings grew enormously in value, some of them selling at the height of the boom for over £3 million. In spite of declining physical strength, he's still working. Vous n'aimez pas trop que les gens viennent vous voir dans le studio? Non, je n'aime pas parce que comme il y a beaucoup de choses en train de se faire, alors je n'aime pas que les gens viennent regarder ce que je suis en train de faire. Il ne faut pas en parler avant qu'une chose soit faite. C'est un peu comme des fleurs, il faut les soigner, il ne faut pas les exposer. Il suffit de rentrer dans l'atelier de Balthus pour se rendre compte à quel point il y a un vertigineux écart entre la mise en avant du décor domestique, quotidien, le rituel social et en même temps ce qui émane de cet atelier, cette espèce de parfum de catastrophe absolue. Et c'est dans cet atelier que Balthus pense et essaye de mettre en acte des certaines procédures de pensée. Chaque fois que je vais voir Balthus, je nettoie l'atelier. Ça veut dire, tu ne me jettes rien. Je me conduis comme un voyou.
je balance des tombereaux entiers de saloperies dont il a le dos tourné. Surtout, tu ne me jettes rien, tu as vu. Alors ce sont des boîtes qui sont remplies de merde invraisemblable, inutilisable. Et je balance, je fais le ménage. On n'a pas droit de passer l'aspirateur, rien toucher. T'inquiète pas. Alors, il n'est pas dupe. Il voit très bien ce que je fais. Ça fait partie du théâtre. Et ce qu'il y a de très, très, très bouleversant, c'est qu'il y a le fauteuil. Le fauteuil complètement défoncé. Il y a un petit miroir plastique dans lequel Balthus regarde son tableau. Et puis, il y a les montagnes de mégots. Vous apercevez que c'est un peintre qui peint beaucoup assis dans son fauteuil. C'est quelqu'un qui regarde pendant des heures. Ça m'est arrivé d'aider Balthus à des préparations. Plus j'ai fréquenté cet atelier, plus j'ai connu Balthus et moins je comprends d'où ça tombe. Tellement c'est en lui, c'est incorporé au fond de lui. Et tout le reste, c'est l'artifice, c'est le masque. Mais votre travail, vous ne cherchez pas le personnel, si je comprends bien. Ça n'est pas du tout l'expression de... Parce que le peintre qui veut s'exprimer, il veut s'exprimer lui-même. Et je ne crois pas que la personnalité soit intéressante. Il n'y a que le sentiment universel qui peut être intéressant. Mais votre travail me semble un peu comme une discipline spirituelle. Ah oui, c'est exactement ça. En plus, je suis catholique et croyant. Et la prière, pour moi, est une chose très importante. Maintenant, on a l'impression d'une société sans foi ni loi. Et ce qui prédomine, c'est le sens du profit. Mais je pense
qu'en général, surtout dans l'Occident, que l'érotisme est très mal compris. Très mal compris. Justement, maintenant, tout est érotique, même la télévision. La télévision, dans les publicités, vous voyez des femmes s'évanouir en se mettant je ne sais quel produit de beauté, et on a l'impression qu'elles sont soumises à un orgasme. Alors aujourd'hui, l'érotisme a perdu tout ce que ça aurait pu être. C'est un très beau son, les cloches des vaches. Merveilleux, et puis ils ont plusieurs tonalités. Ouais. Mais pensez-vous que n'importe qui peut comprendre la beauté? Mais je crois que la beauté est une chose qu'il faut découvrir peu à peu. Maintenant, je crois qu'il y a cette espèce de mythes de la jeunesse. Mais les gens détestent l'âge. Les gens ont peur, comme il n'y a plus de sentiments religieux, les gens ont peur de la vieillesse. Mais ils ont peur aussi parce que c'est dur, n'est-ce pas? C'est extrêmement dur, mais... Je dois dire que... Moi, je n'aime pas la vieillesse. On est tout le temps en train de... Surtout quand on se rappelle de ce qu'on a été, on se heurte tout le temps à quelque chose comme si on était dans une cage. La lumière est particulièrement belle avec ce temps un peu incertain. La vérité, c'est celle de l'œuvre, c'est celle du travail, c'est celle du tableau. Et ça n'est pas la vérité de l'homme public qui, elle, sera de toute façon toujours une méprise. Souvent, dans les peintures, il y a une figure vue de dos. Il me semble que c'est souvent Balthus. C'est souvent Balthus qui s'éloigne. C'est à la fois le témoin qui est là pour dire « j'ai vu cela, j'en témoigne », et en même temps qui prend congé, qui s'éloigne avec cette espèce de mélange très singulier d'humilité et d'orgueil qui fait la fascination du personnage.